Haïtien Fouemsem, pendant 14 à 17 mois qui sont passés là, pour quantité haïtien qui ont assassiné dans Port-au-Prince surtout, et dans le pays d'Haïti en général, quantité Fouemsem avec Sem, que jeunes garçons sont matissants violés, assassinés, quantité Fouemsem avec Sem, que jeunes garçons dans la Tibonite assassinés, violés, quantité Fouemsem avec Sem, que jeunes garçons dans le Canaran assassinés, violés jeunes femmes. Quantité moun mwen wè ki assassiné sou route des frères, policiers qui assassiné dans Kwa de Bouquet, policiers qui ont disparu dans Torsel, policiers qui disparaissent dans Petionville, policiers qui m'a touye mes amis. Je dis à la, qui c'est 21 décembre 2022. Le Canada, encore une fois, confirmé pour moi. Et que mini-justice pays nan, qui te rele d'Orsé Bertot, mes amis. C'est monsieur qui rentre zam dans le pays ya, pour alimenter gang, pour tout yé chrétien vivant dans le pays. Ministre intérieur pays, non, à savoir Liz Kittel. C'est monsieur qui n'a gang en kidnapping, cap kidnapping moun, tout partout dans Port-au-Prince. Dernier kidnapping que le fait, et que le gouvernement a pris le médaille pour kidnapping ça. C'est sous Zamil qui se passe Pasteur Ferré Michel. Mes amis, après tout, quel est le crime qui fait dans le pays ça? Pour me venir connaître, ministre justice ça. Qu'est-ce qui te met elle? C'est Dimitri Vob, mes amis, qui te met elle. Dimitri Vob qui paye l'argent pour tout le président Jovenel Moïse. Et puis moi, la justice qui termine la justice ça là. Même après révocation, il n'y a pas même question elle-même. Moi, DCPJ qui était là. Même après révocation, il n'y a pas même question elle-même. Là, je comprends nos bagailles. Oui, je comprends nos bagailles. Tout le crasse, je comprends nos bagailles. Moi, qui ai un complot. Moi, depuis ce juge qui est actuellement là, qui est dans le pays d'Haïti. Ton écrasé tous ces volants, toutes ces gangs, toutes ces kidnappeurs. Mon ami, c'est le commissaire gouvernement qui n'a pas payé. Toutes ces kidnappeurs, tous ces volants, surtout ça qui n'a pas de pression. Ça qui n'a pas de pression, c'est volant, c'est kidnappeur. Depuis que c'est dans la juridiction pour être au Prestland, c'est volant, c'est gang, c'est assassin. Matin là même, qui c'est 21 décembre 2022, nous avons supposé, ouais, des milliers de monde devant DCPJ. Après ligne pour aller porter plainte pour D'Orsé Bertot en tant qu'ancien ministre de justice dans le pays d'Haïti. Je dis la même, nous avons des milliers d'Haïtiens à camper devant des CPJ pour aller porter plainte contre Liz Kittel pour que tu te kidnappes qui ça fait dans le pays. Je dis à peuple haïtien, pour me garder pour moi, la justice haïtienne pas jamais fait effort pour que le temps de M. Sayo. Alors pour Haïtien pour kidnapper, pour que tu ne puisses pas assassiner dans le niveau ça. Tout criminel yon sou moun. Yon officiel, yon imagine officiel. Policier ba ou sécurité. Moun ap kidnappé, c'est yon kap kidnappé li. Gang ap tue moun, c'est yon kap alimenté gang nan. Tout moun kapap gade yo. Jodi ya, moun kompren nou bagay. Papa isye file manchet pou moun pral parave nou. 21 décembre 2022. Papa isye nou environ 10 jours pou ke ane a fini. Ok? Nou kapap fè bilan, effectivement. Fè bilan, quantité moun ki assassiné entre dans pays ya. Pendant espace 12 mois qui sont passés là. Moi, mal plus loin, je suis capable de faire un bilan global sous 17 mois. Ça veut dire que de 7 juillet 2021 à décembre 2022, effectivement, je suis capable de dire environ 17 mois depuis que nous avons assassiné le président du pays. Ok? Et normalement, en pile cause des haïtiens, en pile parole, en situation grave, situation extrêmement grave, et ça qui a passé là, moi, que nous ne pouvons pas faire là-dedans, si que ce n'est pas exactement ça que nous avons là. Que nous pressé fait pour nous sortir de cette nouvelle là. Si nous quittons ça pour aller comme ça, nous ne pouvons pas exister comme monde. Écoutez bien. Ministre justice pays d'Haïti. Après assassinat Jovenel Moïse, la chasse aux sorcières qui a fait contre tout le monde qui a collaboré avec le président Jovenel Moïse dans le pouvoir. Assassin au pouvoir, malheureusement, Claude Joseph n'a pas de pied à terre. Monsieur pas vraiment membré. Monsieur pas vraiment comme si n'a du madré politiquement. Et il pas gagne équipe, Jovenel Moïse tout pas gagne équipe. Pour être campé tof, pour pas prendre pression dans mes blancs. Même monsieur tabay blanc menti, tout peut dire blanc m'a ba ou tel bagarre ou mandé. Pour ta kembe pouvoir. Malheureusement Claude Joseph t'accepté en pensant que le carré était comme ministre affaires étrangères, il t'accepté pour te remettre à Ariel en pouvoir. Alors après toute pression que gros lobbyiste, gros assassin dans le pays d'Haïti qui vient tout président, pas payer lobbyiste blanc pour venir faire gros pression sur Claude Joseph qui n'est pas habitué avec pression ça. Malheureusement, Claude Joseph te remet le pouvoir.
T'es comme une justice qui t'a arrêté. Maître Rockefeller Vincent. Nèg en province même j'avais, nèg grandio même j'avais. Rockefeller Vincent t'a arrêté avec un commissaire gouvernement qui est le Claude Bedford. Et on t'a questionné Ariel Henry. Mais qui s'est passé? Josué Pierre-Louis qui sont barrés dans le système judiciaire, pesés sous ces gangs criminels, kidnappés ça. La justice haïtienne gang ça. Parce que Josué Pierre-Louis sont barrés dans le majorité juge quand dans le météo. Juge corrompu, juge volant, juge cap tout les yo, juge cap libérer kidnapper, cap des nègres kidnapper mon pays. C'est Josué Pierre-Louis qui mette yo. Avec Paul Denis qui n'a tout et Jovenel Moïse tout. Et bien justement, nous gardons pour nous un peu haïtien. Après révocation, du moins, chasse au fin chasse au Rockefeller Vincent, moun yo remplace là. Officiellement, c'est Dorsey Beto, après Litkitel qui s'est kidnappé, qui te fonti. Alors, fonti Kebe ministère de la justice, en attendant, on mette Dorsey Beto. Le nous fouye zone à Kalalou, nous jouons bon gens information, avec des preuves à l'appui. C'est Dimitri Vob avec Jean-Marie Vob qui mette, qui impose Dorsey Beto, bah Ariel Henry. Dimitri Vob, Jean-Marie Vob. Parce que ça dit, après tout l'argent au fin dépensé, après tout problème yon gen avec la justice haïtienne, il faut que yon gen contrôle pouvoir judiciaire là, à travers une justice yon, qui est capable de déplacer le commissaire gouvernement, révoquer, mettre, surtout dans le Port-au-Prince là, dans ce qui est pour avec dossier, poser, scellé, interdiction de paquet, alors la justice se mette sous la présidence de Jovenel Moïse, mais on dit clairement, il faut que vous contrôlez la justice. Effectivement, vous avez Dimitri Vob, ministre de la justice. Mes amis, c'est Dimitri Vob qui finit tout le président pays, oui. Qui mette dans ses bêtes, oui. Et c'est Dimitri Vob encore, oui. Qui fait acheter pile zam niveau et bien mini justice, li. Mini justice a distribué zam sous Belé. Dans village de Dieu, Grand Ravine, Torsel, Kouadabouke, 400 Marozo, Canaran. Mais c'est une quantité de monde qui s'est entouré dans le pays, ça, monsieur. Pour m'abgarder pour moi, monsieur. Le Canada confirmé définitivement le 20 décembre. Et que Dorsey Beto sont criminels, sont assassins. Pour nous, il y a des juges qui ont payé dans le pays. Nous, il y a des commissaires du gouvernement qui ont payé dans le pays. Nous, il y a Frédéric Lecomte qui ont payé, nous mettons très confortable. On a tête de CPJ. Pas de monde dans le pays, non? Qui pipe mo, pas de moun nan pays qui dit rien pour moun qui assassine nan pays non. Je dis à nous même peuple souverain, nous même haïtiens qui victime, nous même qui yon kidnappé en pile pendant environ 17 mois nan pays ya, nous gon effort pour que nous fait. Moi connais que nous capable peur, mais si nous vivons nan pays d'Haïti, nous pas raison pour nous peur encore parce que nous mourir déjà. Nous devons déplacer, aller au niveau de CPJ, aller déposer plainte. Contre Dorsey Beto, a déposé plainte contre Litkitel, a déposé plainte contre chaque nèg qui ont sanctionné dans le pays ça, ou du capre des armes dans le pays, qui a parlementé dans le pays, qui n'ont tout le monde dans le pays ça. Si vous ne faites pas, je garantis vous, c'est qu'on baille vague, ou du baille les champs, ou baille champs libres pour que les criminels continuent, dirigeant tout le monde dans le pays pour continuer à faire courir le pays. Moi-même, je suis Beto, je suis un grand déjeuner. Le jour où je tape, dis la vérité. C'est pour fièrement péter automatiquement. Parce que m'a dit nos grandes bagailles. Moun pas vivre comme ça, quel que soit côté sur la terre. Quand c'était moun nèg tout y est là, pour que ça moi même personnellement pour me ta connait bagaille, pour me peut parler. Raison, pour que ça pour me peut parler le même. Pour moi même comme jeune garçon, moi décembre rivé, moi pas caloué famille non. Et ceci, c'est des millions haïtiens qui pas ka faire ça, oui. Pour moi même pour me capable servir de porte-parole yo pour me parler pour yo, pour me suspendre d'il. Ou imagine ou, pas qu'un jeune garçon qui est capable de faire business dans le pays d'Haïti. Tout jeune garçon qui est comme yo, si yon pour kidnapper yo, yon pète kou qui te pays ya. Yon traverse frontières, vine investir la République Dominicaine, même si yon pas de respect, investissement yon pas garanti. Yon vine, c'est la vie qui est important pour yon. Mais qui escape, qui rend yon vulnérable comme ça? C'est autorité nous yon. Qui sa yon yon? Des kidnappers. C'est yon même qui va alimenter gang dans le pays ya. C'est le qui dans le secteur privé hein, qui mette kidnapper dans le pays pendant lui-même les banques qui gèrent l'argent kidnapping. Nan. Nous avons une impunité totale. La justice, effectivement, libère monsieur. Yo. Alors, yon carte blanche.
Ou dit, mais c'est pas en faveur. Il a une légitimité. Il a un droit de vie ou de mort sur chaque citoyen paisible. Je dis, pour vivre bien dans le pays d'Haïti, il faut qu'il y ait les amours. Dans le temps, il faut faire ou fils de sept mouns. Dans les amours, dans le temps, il faut faire un port ou fils de sept mouns. Dans les amours, dans le Petroville, ou fils de sept mouns. Vous entendez à tout? Ou que sénateur, député, magistrat, président, ministre, tout le monde net après l'eau, mon cher bravo. Nèg brave garçon, canson. Vous entendez à tout? Ou riche, ou à vivre bien, ou que machine officielle, ou que belle car, ou chargé femme. Ou à vivre dans le luxe parce que ou touye moun. Parce que sont criminels. Et ou à venir tout juge après le mon cher. Moi, mon pile, garçon pam, a fait pam. Tout juge ses amis ou. De vous c'est volant, de vous c'est kidnappeur, de vous c'est criminel assassin. Jodi a Conseil de sécurité des Nations Unies pour le réunir pour parler d'Haïti. Jodi a parler de dossier intervention militaire. Jodi a parler de dossier et moun qui a financé gang. Avec gang yo. Nous comprenons. Ouais, on a annoncé 28 décembre qui vient là, on va sanctionner moun ka financé gang dans pays ya, dans pays d'Haïti. Conseil sécurité des Nations Unies même annoncé tout mois de janvier, on va prendre, on va mettre en application toute sanction honnête. Qu'on a moins que au marché pressé, yo tout 21 décembre y a réuni. Mais n'a tant jodi là même. La Suisse annonçait la couleur. Nous connaissons que pile qui serait l'argent la Suisse. Décision de la Suisse là, sont décisions que les États-Unis m'ont demandé de prendre. Tout le monde est capable de ça. Canada a annoncé que il y a pile l'autre monde qui va sous liste. Mais moi, je vais dire une bagarre honnêtement. Si Dimitri Vob, Reginald Boulos, pour qu'on soit une liste de sanctions, je ne pas dire pourquoi il sanctionne, même si sanctions ont manqué. Quand c'était moun nek sa yo touye dans le pays d'Haïti, quand c'était zam nek sa yo bay dans le pays, quand c'était gang nek sa yo produit dans le pays ça. Pour l'exemple, pourquoi sanctionner toujours? Sanctionner manqué. Le Canada, m'bon crédit. Jusqu'à maintenant, m'comprenne que y'a bien avancé. Mais m'a dit, parler avec l'ambassadeur qui est dans le pays d'Haïti, moi qui a fait politique sale pour Jacques Lumac. Yon a allié préval qui crase l'argent de Caraïbes. Pour l'ambassadeur, ça passe sale pays Canada, ou bien pas faire moun prendre sanction mal. Que Premier ministre canadien, qui c'est Justin Trudeau, pour le parler avec l'ambassadeur là. Moi qui a fait promotion pour Jacques Lumac, ancien candidat à la présidence, sous bannière vérité. Allié Dimitri Vob, qui travaille pour Dimitri Vob. Je ne comprends pas ça du tout. Je comprends ça très mal. Mon ambassadeur pays Canada a fait politique, même j'avais ravette politique de Haïti. A évité peuple haïtien, à l'entend de Jacques Lumac, qui a participé dans l'émission média international. Sous qui base? Je ne comprends pas ça du tout. Je suis très mal oué ça. J'espère que Premier ministre canadien, jeune garçon, que monsieur que monde respecté, que moi respecté, m'espère que li ouais comme ambassadeur là dans pays d'Haïti qui rentre dans ça, pas connait parce que me connait tellement de l'argent dans pays d'Haïti pour corrompre moun, m'pas quoi. Ambassadeur pays Canada, t'as pas prendre l'argent sans dans me kidnapper dans pays d'Haïti, m'pas quoi ça du tout. M'pas quoi gon blanc qui t'a pas accepté après 14 mois kidnapping. Pour blanc t'a accepté pour collaborer avec les kidnappeurs. M'pas quoi ça. M'espère que Premier ministre canadien, monsieur Justin Trudeau, font pas ses yeux sur l'ambassadeur là dans le pays d'Haïti. Peuple haïtien, situation compliquée. Mais sauf que je t'aime pas parler avec loi en tête chaque grand haïtien. Debout ce petit de Saline. Wap tande m, m'ap pase m'ap pale avan lang maman pa pou la. M'ap di bonjour bonsoir tout moun. Depa la mande ki kote ki lè n'ap tande nou. Encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sur plateforme pa nou ki c'est plateforme YouTube Info Berto. Parce que li clair que li important tout pour nous toujours faire effort pour que nous pote émission ça pour vous. Parce que je dis ya si nous pas parler. Si pas gagne moun ki pou parler, ki pou prendre des risques pour nous même majorité a, n'a disparaît, pas gagne espoir du tout. Par rapport avec confiance que nous placer dans moi-même, ni pour devoir assumer responsabilité à tous les niveaux pour que m'kembe nous informer sur tout ça qui a passé en dedans pays ça. M'a saluer toutes amis yo qui trouvent dans Floride, tout côté en Floride, m'a saluer nous. Moi-même nous en pile. Nous avons des missions en pile, nous avons des infos en pile, nous avons des feedbacks, nous avons en pile avec tout le monde. Je salue Pierre-Henz Joseph, capitaine de moi depuis Florida,
avec toutes les amis de toute l'équipe. Je salue les amis, en pile l'amour pour vous. Je salue tous les compatriotes qui sont dans Florida. Moi, je suis en pile. I am Jovenel Moïse qui est Florida. Donat 311 pour bagay, Florida. Je salue Madame Evelyne Nui, capitaine de nous, depuis Boston. Je salue les familles. Je salue toutes les familles avec ce mio, capitaine de nous, depuis les États-Unis d'Amérique. Je salue tous les compatriotes qui sont capitaine de nous, effectivement. Dans la coupe pays d'Haïti, la caille moi, zandraï nous. Moun pestel yo m'salye nous. Je n'en pile moun pestel. En pile moun Duchiti. En pile moun Moron Chambellan. En pile moun, comme si, Foucochon. M'salye nous. La caille commissaire Miskaden, m'salye commissaire Miskaden qui continue à frapper. Moi, le pont gang là, bon, le souvo, il va m'salye. Planifier rencontre avec l'éternel, c'est important. M'salye, zami nous, qui est dans le département sud pays ya. Commissaire Richemont, tu es invité normalement. Ancien sénateur, Hervé Foucan pas venu. Et Baba Dak l'a venu. Dossier en pile. Nous allons faire de commissaire Richemont qui dit quand il y a un dossier quelqu'un en mêle pour ancien sénateur là, qui c'est Hervé Foucan. Sûrement, sénateur là, tu as pris un code. Gros dossier là, 14 ans, il y a pris 13 ans dans le pays. Je fais une connexion avec Foucault Nadel. Et c'est le commissaire qui dit, nous allons faire d'elle dans l'académie sur ça. Rite là. Nous avons plusieurs points que nous allons aborder ensemble dans l'académie sur ça. Dossier sanction. Intervention militaire. Réunion Conseil de sécurité des Nations Unies. Sanction pays la Suisse. Prend compte moun qui a financé gang dans le pays d'Haïti. Nous allons comprendre ça. Sanction que Royaume-Uni a annoncé 28 décembre qui vient là, dans quelques jours. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est tout point ça yo que nous allons aborder ensemble avec vous dans l'académie sur ça. Sous te pressé, faut-il camper. Section pays Canada contre deux anciens ministres dans le gouvernement Ariel Henry. Peuple haïtien, nous allons parler avec loi dans tête, peuple haïtien. Prends responsabilité nous. Sac de chaises, rale chaises nous. Sous tap kouri machine nou, monte volume dans piwo. Sous nan chanm kayou, monte volume télévision ou bien appareil que ap tande nou en piwo. Parce que nous pral parler dans langue papa de saline nan avec chaque grand haïtien à travers le monde. Moi men nou en pile. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, DCPJ fait annoncer que justement yo alors la police nationale d'Haïti annoncer que yo fait arrêter deux policiers dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse qui impliqué dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse. Gen un policier ça qui tap travail. Alors, qui t'a travaillé avec John Joel Joseph et au jeune plusieurs permis pour dame, la caille monsieur qui gagne non John Joel Joseph là-dedans. Non policier ça, nous allons venir ensemble avec vous. Dans le cas de mission ça, et il y a un autre policier encore, il dit monsieur, c'était une planification assassinat président avec plusieurs autres policiers. Et il était environ 7 à 8 policiers ou bien 9, justement, et que il y a eu un avis de charge derrière eux, dans ce qui est pour avec assassinat. Président Jovenel Moïse, il dit c'est sous demande juge qui a enquêté sur le dossier ça, qui c'est juge Walter Westner, Wesser Maconin, Voltaire, qui décède mandat de juge M. Sayo. Effectivement, la police a arrêté. Mais jusqu'à présent, juge n'a pas montré que vous avez arrêté les gens qui mettent au fait le jeu de dossier. Tant de gens qui mettent au jeu de dossier. Ça veut dire qu'on va pas une compétence ça, les gens qui planifient l'assassinat, on va une compétence ça, les gens qui dépensent l'argent, on va une compétence ça. On va faire dossier même avec Gary Olien. Bon volo, bon gang, bon assassin. Papa, ici, m'a dit nos grandes bagailles. Pas de mourir. M'le chaque grand ici qui s'en tête yo. Pas de mourir. Son seul mourir gè. Jovenel Moïse te connaît pas de mourir. Son seul mourir. Mais il te dit la foutre fouet, mais la du feya. Mourir ou pas, li fèl. Mais moi, avant de mourir, pays ya, tap connaît vrai criminel yo. Et sans criminel yo, tap coule sous ma cadam dans Port-au-Prince. Parce que la loi bam doit ça, l'État bam doit ça. Nos criminels a menacé l'État, nos criminels a menacé le chef d'État. Ou doit mourir, ou doit mourir. Ou doit pas là encore. Et tout le monde réuni pour pas là. Parce que sinon, Haïti va trouver la situation ça. Pour Haïti trouver la loi. Mais Ariel Henry, monsieur. Je dis ya, moi prends tam, moi prends sam. Les misères sont augmentées, côté chaud. Pour m'attendre. Effectivement, situation compatriote pour eux dans la coupe d'Haïti. Mais ça nous dit nous clairement,
Nèg yo méchant pile. Nèg yo criminel à l'extrême. Je dis en printemps, me prend ça pour m'tendre. Un jeune garçon qui travaille dans la radio télévision Caraïbes qui c'est Johnny Ferdinand. T'as l'air de faire nous un extrait. Monsieur que jeune commence à prendre conscience ou du moins c'est qui dans micro. Plus commence à plus ou moins prendre conscience parce que ça qui passé. Yo t'ai dit nous clairement c'est nèg dans réseaux sociaux qui a bail menti. Même t'ai dit nous messieurs dames. Dans ces bateaux sont kidnappés que lié. Sous drogue dealer que lié. Sous assassin que lié. Sous trafiquant d'armes que lié. Et la preuve, 125 000 cartouches que volant ça a été fait rentrer dans bateau Miss Lily dans port de paix. Volant tellement que pouvoir tellement puissant. Après, blanc, finement de DCP, j'ai arrêté toutes les gonettes. Ils ont utilisé le pouvoir. Ils ont saisi deux bateaux mounio. Ils ont décidé pour vendre le bateau mounio avec l'oligarque corrompu dans Petionville là. Mais nous, jeunes informations dans les médias en ligne. Nous dénoncer. Là, nous jeunes qui est qui a contrôlé le bateau pour vendre le bateau. C'est Georges Racine. Il y a un acteur dans le gang Galil qui a kidnappé les gens qui ont la montée démasquée dans le pays. Georges Racine. Il y a un kidnappé Bas Galil. Qui se bofre Matéli. Papa ici, je vais dire nos grandes bagailles. Pays a pas de comme ça. Il y a chat là dans nous. Il y a poule là dans nous. Il y a chien dans nous. Il y a vol dans nous. Il y a kidnappé dans nous. Pas de mourir. C'est tout ça nous avons touillé, mais on pas touiller tout le monde. Je dis à c'est chaque jeune garçon, pas pour sa bite, on garantit ou on a pris un coup de balle. Cousin a pris un coup de balle, femme a pris un coup de balle, criminel a toujours existé. Je dis à nous qui avons intérêt pour proposer ce que je fais, 2 millions haïtiens, avec 2 millions de manchettes là, nous supposons commencer. Nous supposons que les manchettes là vivent pour le monde entier, ouais, que ces manchettes là nous gagnent. C'est l'une qui a acheté à 300 gouttes. Son lime qui a acheté à 100 gouttes ou 75 gouttes. S'il pas monté, pour nous filer ma chèque, nous débat. Pour nous dire chaque jeune garçon, chaque jeune femme, 2 millions de monde. 2 millions haïtiens à 2 millions de manchettes. Pour nous bailler pays. Il y a une chance pour nous libérer pays. Parce que si la justice capable de bailler criminel au pays comme ça. Si nous-mêmes comme jeunes garçons, si nous-mêmes comme citoyens, nous ne prenons pas responsabilité, nous garantis nous. Haïti qui doit, année 2023, qui vient là, qui apparaît trois mouns Haïti. Qui apparaît trois Haïtiens vivants. Haïtiens, comme si, monde de bien, citoyens. 2023, 6 janvier 2023, je parle là, dans le jour qui vient là, que moi-même dis, besoin 2 millions haïtiens à 2 millions manchettes là. Si nous pas commencer bataille ça, et son bataille drastique, son révolution drastique qui pour fête dans pays ça. Pour nous foutre on série des nègres de quarantaine, pour nous foutre manchette sur tout vivant. En vérité, moi je dans ça comme témoin. Nous pas exister comme peuple nous. L'honnête ministre justice mes amis, ministre justice oui. Ministre justice, ministère de la justice, garde des sceaux de la République. Yon ministre justice, on est qui ta supposé au-dessus de tout soupçon. On est qui pas supposé qui pièce bagage sous dans du tout. Yon ministre intérieur qui a contrôlé la sécurité intérieure pays. Les gars sont kidnappés, mes amis. Qui est-ce qui mette le Moïse Jean-Charles? Ministre justice, qui est-ce qui mette le? Yon est qui sont tous les présidents. Et quelque part, il est de bonne guerre, oui. Si m'sont tous les présidents, eh bien, femme qui contrôle la justice, oui. Mais qu'est-ce qui pour des situations ça? Et bien nous même comme peuple, je dis à, devant des CPJ, pas supposé qu'il y ait un côté pour qu'il y ait des gens. Kidnapping dans deux cabas, parce que nous comptons kidnapper. Kidnapping dans deux cabas, parce que nous comptons tout le monde qui pense kidnapping. Il y a tous ces shérifs Abdallah qui sont kidnapping. Il y a tous ces Gilbert Bidjo qui sont kidnapping. Il y a tous ces Ronald Zip qui sont kidnapping. Malgré tout milliard qui ont gagné, millions qui ont gagné. Il y a tous ces ministres de justice qui sont kidnappés, malgré tout million qui ont gagné. Il y a tous ces ministres intérieurs qui sont kidnappés, malgré tout million qui ont gagné. Il y a tous ces autorités qui sont kidnappés, malgré ces gens-là pour protéger vous. Mes amis, qui s'en a fait avec M. Sayo? Est-ce qu'on a quitté là toujours pour continuer à kidnapper nous, tuer nous, violer nous, assassiner nous? On a quitté pour continuer à faire? Est-ce qu'on peut garder tête dans les yeux? Est-ce qu'on peut garder tête dans le miroir? Pour garder tête, pour lever tête dans le monde?
pour dire mes amis, c'est pas possible, c'est pas possible. Même qu'il y a une équipe criminelle comme ça, sans cœur comme ça, continue à tout le monde. Mes amis, pour accepter je ne vais pas dans le pays, pour ces volants seulement, criminels seulement, captifs je comme peuple. Je dis à moi, Ariel Henry a fait gros fête avec Madame Sisson, Madame Lalimba Koné. Moi, c'est fête cap fête dans le pays d'Haïti. Là, montrer ma clair que Ariel Henry est très confortable, il a de bonnes mains. Les gens blancs qui protègent, les gens qui sont très solides, moi je suis champagne qui a boué. La gueule a fait fête. Ça veut dire que assassin au pouvoir, je ne suis pas étranger. J'ai du mal. Le Canada a sanctionné gang de pays d'Haïti kidnappeur qui ne gouverne pas la rien. Et moi, même représentant du Canada, Canada dans le pays d'Haïti, a pété champagne avec Ariel Henry. Je très mal, ouais, de ça. États-Unis d'Amérique a sanctionné gang qui n'a gouverné Ariel Henry. Et moi, représentant blanc dans le pays d'Haïti, a pété champagne avec Ariel Henry. Image, yo. Yo image, mes amis. Une image vaut mille mots. Une image de nos paquets de bagailles. Mon petit jeune en confusion. Qui ça me doit faire? Eh bien, moi, comme jeune garçon, je propose un bagaille. 2 millions haïtiens, 2 millions manchettes. La seule solution. Et on joue, on connaît tout vrai, mon yo. Ou avez une vraie coopération, ou avez une vraie étranger, ou avez une vraie diplomate, ou avez une vraie blanc. Laisse pas bien volo. Section États-Unis d'Amérique, section pays Canada prend compte conseil des voyous dans le pays d'Haïti. Nous bat bravo parce que ça a aidé. Mais image m'a regardé qui bon côté Ariel Henry pété champagne. M'a très mal oué ça yo. M'a très mal oué. Mais comme moi connais que blanc patap j'aime faire tout bagay pour vous. Blanc patap j'aime faire tout bagay pour vous. Si là, li là quand même. Mais ouais blanc, conseil de criminel a pété en quarantaine. Eh bien, pendant blanc mette en quarantaine. Pendant blanc pété champagne avec Ariel Henry, 2 millions moun, doué prendre manchette yo, prend direction la caille d'Orsay Beto, chercher la baleine dans le pays. Chercher les qui te la baleine. Chercher chaque grain de qui yo sentu dans le pays à baleine. Fout manchette sou yo pour ne pas jamais yon moun sa encore pour le dire avec yon encore. Le sa wa dim sou pa bon pays. Mba jamais mon Dominique a plaigné pour collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Mba jamais mon politicien Dominique a plaigné pour collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Mba jamais mon Canadien a plaigné pour collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Pour que ça c'est nous même les Haïtiens qui a plaigné. Parce que nous avons trop volants, ti vicieux, ti gang, ti assassin, ti voyou, ti pantan, ti pas éclairé qui dirigeant nous. Nous sommes en 2022. Dans quelques jours, nous prenons 2023. Nous devons avoir des gens qui sont éclairés, des gens qui sont honnêtes, des têtes qui sont bien faites, des gens qui comptent payer, des gens qui comptent comment nous vivons. Nous devons chercher des Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Venez mettre comme dirigeant dans le pays d'Haïti. Le ça me garantit. Les Haïtiens qui remet Haïti pour tout bon. Nous devons être dans la diaspora qui souffre. Et qui pouvait remettre Haïti à travers l'action qui est opposée. En pile, alors grand petit vol, gang qui a caché notre bois. Même si la valasse salio, si kidnappé la valasse, si machin d'am la valasse, qui caché. Mais ça va pas parler dans le pays encore. Tout le monde connaît. Mais m'a dit nous, Grenbagay, peuple haïtien. Est-ce que nous allons continuer à quitter Haïti par nous? Dans le niveau ça. Jodia, devant DCPJ, Haïtien doit apprendre à rentrer, sortir, plein de cap déposé contre ministre justice. Plein de cap déposé contre ministre intérieur. Plein de cap déposé contre. Gilbert Bidjo, plein de cap déposé contre Chérif Abdallah qui met Unibank qui décide pour le kembe l'argent américain qui dit c'est good la pa ou. On a essayé de déposer 3 millions d'américains sur 40 pour ou en Haïti. Si l'étranger le fait, on a été transféré pour ou. Chérif Abdallah Djo, elle passe l'autre dans le banque client, dans Soje Bank, pour yon bon $50 ou bien $200 là-dedans. L'on fait bruit, la police vient traco pour yon. Nous révolution manchette la loi avance. C'est seulement manchette qui est capable de ça. Le on banque privé dans le pays, à bail des ordres, c'est banque l'État, oui, qui pour sanctionner, qui pour faire le marché droit, oui. Le ça pas fait, c'est impunité totale. Le ça, c'est peuple souverain. Ah oui, la masse. Peuple souverain. Qui pour mettre pied à tête, deux tournées pied à tête, avec manchette à la main. Si nous même jeune l'huile même vide sous quoi nous fait quand nous glisser. Et puis glisser sous nèg yo.
mettre manchette sous gang ça dans pays d'Haïti. Gang à costume. Tout ta gang à costume a toujours gagné ISO. Johnny Ferdinand, non réflexion. Alors, qui clair? Entendez-le, non? Important. Johnny, eh bien, qui confirme deux nouvelles sanctions là qui concernaient deux anciens ministres du gouvernement d'Ariel Henry. N'a parlé de Lise Kittel, miss ministre ou bien ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. N'a parlé également de Maître Berthaud Dorcé, qui c'est ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Qui ça, Canada a reproché, M. Sayo? Il reproche que monsieur a utilisé statut, fonction d'un pays, pour favoriser l'activité criminelle, pour favoriser l'activité gang, n'a permettre de joindre l'argent, n'a permettre de joindre des armes et munitions. Canada a expliqué que il gagnait des éléments en main qui prouvaient à clair que monsieur Sayo utilisait côté OTEA pour capable favoriser activité blanchiment l'argent, favoriser corruption. Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sorti dans le laboratoire. Il est là pour combattre les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper tito. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagaille. Il y a ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il y a remplacé 3 produits Gabon parce qu'il est plus puissant. En guise de rappel, Lise Kittel était rentrée dans le gouvernement Ariel là en juillet 2021. D'ailleurs, en pile monde te considéré Lise Kittel comme un protégé d'Ariel Henry, comme on ayant droit dans le pouvoir ça qui est dans la tête, docteur neurochirurgien, 74 l'année, Ariel Henry. En septembre 2021, Lise Kittel t'a nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique, AI, en remplacement de ancien ministre de la Justice, soit administration Jovenel Moïse là, en passant par des messieurs même dans le pays, il y a Baron Sal réglé, Rockefeller Vincent. Entre septembre 2021 pour arriver novembre 2021, Lise Kittel était occupée fonction ministre Justice et Sécurité publique à l'intérim dans le pays. Autrement dit, M. Kittel a gagné deux portefeuilles ministériels dans le sorti septembre 2021 pour arriver novembre 2021. Et en novembre 2021, on l'autre citoyen d'après la rentrée dans le gouvernement avec de l'autre monde, dans le cas d'un remaniement ministériel qui s'est mis Berthaud Dorcé, novembre 2021 à novembre 2022, qui fait pratiquement un an comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. N'a pas souligné, madame, monsieur, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, c'est deux gros bouts de tonton ministère en d'un pays. Effectivement. N'a pas souligné, madame, monsieur, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, c'est deux gros morceaux en d'un conseil supérieur police nationale là, ça empile mon relé CSPN. Tenez bien, réflexion que ça me bat de la vôtre. N'a pas souligné, madame, monsieur, que ministre intérieur et ministre justice et sécurité publique là, yo c'est deux vice-présidents en la structure ça qui là, eh bien, pour orienter action gouvernement sur le plan sécuritaire, qui là pour permettre que bon politique de sécurité qui définit et puis bah
la police la direction pour agir, pour rétablir la paix, pour qu'il y ait une bonne stabilité dans le pays. Voilà que je dis à le Canada dit nous, pendant plus qu'un an, deux mouns qui étaient dans la tête du ministère de l'Intérieur, c'est deux gangs ou bien deux chefs gangs avec Vest et Palto. Effectivement, bien parlé d'affaires. Nous disons ça parce que si vous rentrez dans l'activité de la gang ZAM, si vous rentrez dans l'activité de la gang l'argent, il y a une différence entre vous-même avec les citoyens et les chefs gangs qui sont très connus, qui ont fait parler d'eux. Nous sommes déjà dit ça dans nos émissions Intersection de Kembe Boujamona déjà. Monsieur Noué, le chef gang, yo. Monsieur nous dit qu'il dirige une série de groupes armés dans le pays. Yo, c'est criminel au même titre de nègre qui gagne veste là, qui permet que l'argent al joigne yo, qui permet que munitions al joigne yo, et qui permet que yo mène activité yo en bas groupe protection. Je vais me rappeler mon yo que le ministère intérieur il y a deux gros attributions dans le pays. Il y en a d'autres, c'est contrôler le territoire. L'autre là, c'est veiller à ce que tout ça qui vient pour avec loi, tout ça qui vient pour avec règlement, vous respectez dans le cadre de sécurité intérieure du pays. Voilà que le Canada dit, grand monsieur, qui n'a tête ministère ça pendant plus que un an, M. Zaltenan était langue à gang. Donc est-ce que là on pense au besoin faire gros études ou besoin d'aller gros théorie pour dire tout, ah, qu'on y a commencé à comprendre pour qui ça gagne à l'aise dans le pays comme ça? En octobre 2021, il y a un kidnapping qui fait sous un pasteur. Et rappelez-moi le pasteur ça encore, Lydie Alexandre. Pasteur Ferrer. Je vais vous donner le nom complet tout à l'heure. Pasteur Ferrer, il a kidnappé lui et nous songeons gros tollé ça t'est fait. Après plusieurs semaines, ça n'a pas eu aucune nouvelle de lui. Petit lui, rend public en déclaration côté le menacé pour dévoiler des bagailles si la vie se n'est pas libérée papa. Michel Ferrer. Michel Ferrer. Je t'ai kidnappé dans l'église, et alors, dans l'église. Et c'était un patrouille qui était gagné des personnes habillées en uniforme de police qui viennent prendre pasteur sur le rocher d'Elma 31. Merci, Lydie Alexandre. Bah, ça fait gros tollé dans la République. Toute la presse a parlé de ça, même à l'échelle internationale. Un peu plus tard, il y a une organisation de défense des droits humains d'un pays qui est RNDDH. Alors c'est Jesus Center l'église. C'est, au lieu de sur le rocher, c'est Jesus Center. Ok. L'église. RNDDH sortit un rapport sous dossier ça. RNDDH explique de fil en aiguille que ministre qui est tête ministère intérieur là, li impliqué jouk nan zo nan kidnapping ça qui fait sous pasteur premier vérité de espérance m'a songé l'aime de qu'on fait papier pour radio comme reporter de travail sous baiza côté a expliqué que pasteur avec ministre là ta gon ti problème femme et ben là te vinn a parler gen moun ki connaît jusqu'à ce que selon RNDDH, le ministre a décidé de faire pasteur à Payon Fréquent. Ouais. Il a kidnappé pasteur. Et les rapports RNDDH l'a sorti, nous avons une croisade de ministre intérieur dans la presse qu'on y a là, à l'énoncer le espace pour essayer de défendre tête. Mais n'a pas noté, madame, monsieur, ministre intérieur de son État, malgré tout tout les affaires, et RNDDH persiste le dessin d'elle. Il n'a pas jamais relié. Monsieur Damien NDDH ou la justice. Jamais. Il n'y a pas jamais relé pour dire il n'y a pas qu'on a rien dans ça NDDH pour boucher et que faut NDDH dit écoutez, je vais vous faire ça. Kidnapping en toute impunité. Qui sont devinés passer.
La presse a frappé et m'a pris un gros argent qui va dans la République. Pour café, pour casser feuille couvrir ça. Parce que la vie lagué et puis tout va fini. Quitter en poste. Justement. Ministre de l'Intérieur. Là nous sommes en octobre 2021. Flash information. Et pas oublier ça n'a dit parce que n'a continué à tendre Johnny Ferdinand. Et moun ke DCPJ a arrêté dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse, gen yon ancien militaire qui relé Miradieu Faustin. D'accord? Yon ancien militaire qui relé Miradieu Faustin, yon ancien militaire. Et Emmanuel Louis, inspecteur divisionnaire et que DCPJ a arrêté, inspecteur divisionnaire que DCPJ a arrêté dans quatre dossiers ça. OK? Et alors Miradieu Faustin, un ancien militaire, et Emmanuel Louis inspecteur divisionnaire et ont été arrêtés par la DCPJ. Leur implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse lors d'une perquisition effectuée et au domicile d'Emmanuel Louis, plusieurs objets, dont trois permis port d'armes au nom de l'ex-sénateur John Joel Joseph, okay, ont été retrouvés et plus de 11 policiers ont recherché tel bagage. Ok, il y a 11 policiers qui ont recherché toujours, mais il y a deux policiers qui ont arrêté, à savoir Emmanuel Louis et puis Faustin Miradieu. C'est deux policiers. On va continuer, désolé. Johnny Ferdinand, dans la réflexion, on va avancer, on va battre bravo pour Johnny Ferdinand. Journaliste Radio-Télévision Caraïbe, on va avancer. Dans le premier trimestre 2022, Monsieur Lise Kittel apprend que son visa américain, eh bien, soit t'es révoqué ou bien t'as renouvelé l'on va à Gonzac, ou t'es refusé le lit. Très récemment, là, dans la même année 2022, il dit que le Canada a refusé le visa. Très bien. Il dit finalement c'est l'Espagne, oui, etc. C'est l'Espagne. J'ai défendu. Ah. Et parce que lui-même, c'est famille qui t'a pris un refus, surtout ambassade américaine. Malgré tout le monde, dans la société, là, que ce soit politique, que ce soit moun dans la société civile là, levez voyou, pour dire que ce n'est pas normal pour ministre de l'Intérieur impliqué dans le scandale kidnapping et puis pour continuer à fonctionner, à prendre décision, à agir dans l'État, pas grand rien qui dit, pas grand rien qui fait. C'est vrai que depuis un certain temps, impunité si on a caractéristique modèle de gouvernance nous. Mais au moins il y a des bagages qui scandaleux, qui criant. Des fois, nous avons dit, ah, mon cher, ne serait-ce que pour Andjé, j'en fais bagay. Malgré tout ça, yo, Ariel Henry soud li avec. Oui. Moi pas en train de dire maintenant que Lise Kittel était impliqué vrai dans le kidnapping. Là. Mais il y a un principe qui dit la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Je n'ai même besoin de vous, César. Donc, ministre de l'Intérieur de ton État, ou bien de votre État, excusez-moi, ministre, je cite le nom de dossier kidnapping, dans tout pays sérieux, première démarche là, c'est démissionner et puis à la justice. Ouais. Mais l'église, c'est pas. Pour les gens qui accusent là pour venir explication, côté je viens de ça. Moi-même, je n'ai pas dit, monsieur Kittel, c'est kidnappé ou pas. Je ne me dis ça. Je n'ai pas d'éléments dans le même mot. Après tout ça, je me dis là, je répète après un rapport. Le rapport a été connu, et on dit ce qui fait le rapport. Mais si vous ne pouvez jamais attaquer le rapport à la justice, vous ne pouvez jamais relever les gens qui produisent le rapport à la justice, pour venir nous dire que les gens qui sont licités dans le kidnapping, là. Donc ça veut dire qui ça? De vous ne pouvez pas parler, ou d'accord? Qui ne dit rien, consent. Là, nous t'es obligé de tenir jusqu'à ce que l'international vienne faire pression avec initiative pour prendre sanction contre une série de monde en d'un pays hein, qui soit dans le pouvoir, qui soit dans l'opposition hein, ou bien dans l'élite économique là, soit parce que y a une gang, soit parce que y a une drogue, soit parce que y a un blanchiment, soit parce que y a une corruption. Nous t'es obligé de tenir jusqu'à ce que l'État de la ville fait pression ça, pour finalement, le gouvernement décider de libérer le ministre. Là, je parle de Lise Kittel. Comme il est tombé dans la même heure, qui c'est novembre 2022, Bertrand Dorsey,
Maître Bertrand Dorcier, l'innommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique en 2021. Tout. Là, nous sommes en novembre 2021. Il était remplacé Nitz Kittel. Nitz Kittel qui t'a joué ministre. Ou le ministre de Justice AI. AI. Il y a une information qui est rapportée dans les médias qui dit, pendant qu'on parle de section, pendant qu'on parle de révocation visa, même ministre de Justice a allé pour le voyager là, et puis, ligne aérienne, basson justice American Airlines, non, check yo, yo dit monsieur A, mon cher, ou pas un visa, ou bien tout, yo évoque visa ou pas valide ou pas autorisé pour voyager à bord avion. Il faut nous dire, Johnny, avant, ou arriver dans le petit ça, à peine Bertrand Dorcier était installé, il était en fait objet de contestation par rapport avec le dossier que tu as accusé comme quoi il était en drogue. Ces deux bagailles, justement, que tu as arrêté pour ça. Depuis que tu es monté, tu as eu une contestation, soit qui a un rapport avec l'organisation de l'Amounio et puis d'autres secteurs qui t'ont contesté nomination Bertrand Dorcier comme ministre de la Justice. Ils ont refusé, ministre de voyage, ils ont dit ministre de conchain, ministre de retourner. Il retourne vient dans le bureau, il retourne vient dans le ministère de la Justice, il a fonctionné, tout le monde fait silence. Au moins, même pouvoir, même peut-être quoi, pour la vie tête, li, par rapport à tout ça, il y a comme soupçon, tu as dit, va la chercher qu'on ait sa gagne, au bénéfice de tout qui n'a pas connu. Et puis après ça, tu as communiqué la chance. Admettons que tu n'as pas connu. Mais. Tout bagaille ça yo k'ap di la avait dit mon ça même pas jamais de radio pas jamais dire quelqu'un qui informé c'est là d'après arriver pour au moins yo mène une enquête interne pour yo voir de quoi il en est. C'est trop simpliste. Malgré ça, Liz Kittel met Bertrand Dorcier yo te style nan ministère respectif yo y a travail, y a touché l'argent d'état, y a touché l'argent d'état, y a joui privilège l'état, n'a pas avancé. Il y a kidnappé mon, il y a kidnappé. Quand il y a là, question m'a posé, mes chers amis matin. Ariel Henry, chef gouvernement, est-ce que c'est au courant, même j'en ai dit ça tout à l'heure, il n'est pas au courant que M. Saogin n'a aussi cité dans des bagailles et que lui oblige à éclaircir ça, si vous voulez KTO, c'est pour mettre disponible pour la justice, mettre disponible pour la justice. Ou bien. T'as le Johnny. Il y a kidnappé mon. Il a travaillé dans la justice, il a touché l'argent de l'État, il a touché taxes. Il a kidnappé, il a rançonné pour l'eau comme ça. Et puis il a payé à travers taxes qui ont contribué dans l'État. Ou a eu confortable, ou résidence officielle, ou a eu 4 téléphones, ou a eu fiche gaz, ou a eu l'argent pour faire maquette avec Tiboubouchio, ou a eu plusieurs machines, ou payer sécurité pour eux. Pendant yon même yon mettons dans insécurité à kidnapper ou payer sécurité pour yon ou protéger kidnapper à kidnapper là. Tenez bien. Franchement, est-ce que c'est sous ta map vive même? Est-ce que, tenez bien, est-ce que m'si, m'a pas comprendre moi du tout? Ça yon, comme si, comme moun, pas que 2 millions haïtiens conscients? Pas que 2 millions haïtiens conscients? On t'y réflexion. T'as le Johnny, m'bal by Johnny parle, oui, parce que monsieur, bravo, et moi-même, franchement, m'apprécie monsieur en pile, des fois nous avons des petits problèmes, et barré ça, parce que moi, nous avons des petites différences, tout point, quelques points. Mais honnêtement, monsieur, son équipe, mon babou, mon tisson, on tête qui bien faite, quand ça veut dire, on est vraiment en pile. Écoutez bien, même j'aime dire mes bobs sans pile, tout. T'as des bien, non? Mini justice, là. Que n'a payé. Nous payons le salaire. Gros l'argent. Après, gros comme ça, nous balayons. Nous disons que le ministre de la Justice, le téléphone nous baguette dans son compte. Nous balayons plusieurs dizaines de mille gouttes de téléphone. Nous disons que le gaz machine nous baguette dans son compte. En tant que ministre de la Justice, nous balayons des milliers. 1000 good. Gaz pour mettre la machine. Nous disons, quand vous avez gagné, moi je m'attaque peuple. Vous avez mis la justice, moi, je ne vais pas faire confiance.
m'a mis dans une résidence officielle pour être confortable avec des sécurités. Et ça donne une sécurité. Nous payons sécurité. Nous payons 4 téléphones. Nous payons fiche gaz. Nous payons l'argent pour faire maquette. Ça veut dire manger pas sous compte. Le fonds est déplacé. Nous payons le PDM. Nous payons tout l'argent net qu'on est pour le confortable. Et puis nous avons l'agent sécurité pour sécuriser. Lui-même, en tant que ministre de la justice, il a fait le kidnapper. La justice n'a pas dit rien. Même le révoquer, les États-Unis d'Amérique m'ont dit pour révoquer. Parce que chef gang qui est dans le pouvoir, il n'a pas dit rien. Chef gang qui est Ariel Henry. Patron qui est chef gang, qui est tout le président, qui est Dimitri Vob, dit qu'il est ministre là. Même après la révocation, parce que passé plus que 3 mois, ministre, les gens chèquent dans l'État. Même si c'est le kidnapping. Est-ce que le kidnapping a suspendu dans le pays ça? Comment on voulait pour le kidnapping suspendre dans le pays ça? Comment on voulait pour l'impunité à suspendre dans le pays ça? 2 millions de monde, 2 millions de manchettes. Johnny Ferdinand, nous allons prendre l'esquitel d'ailleurs. On avance. Johnny Ferdinand, on continue avec réflexion. Et dans le cadre de sécurité intérieure pays. Voilà que le Canada dit, grand monsieur, qui est dans tête ministère ça pendant plus que 1 an, monsieur Zaldenan, t'étais langue à gang. Octobre 2021. Dans premier trimestre 2022, Monsieur Lise Kittel apprend que son visa américain, eh bien, soit t'es révoqué ou bien t'as renouvelé l'ombre comme ça, il t'a refusé. Très récemment, là, dans la même année 2022, il dit que le Canada a refusé le visa. Il dit finalement c'est l'Espagne, oui, etc. C'est l'Espagne. J'ai défendu. Ah. Et pas seul lui-même, c'est famille. Qui était pour un refus, surtout l'ambassade américaine. Malgré tout le monde dans la société, que ce soit politique, que ce soit monde dans la société civile, levé voyou, pour dire qu'il n'est pas normal pour ministre de l'Intérieur impliquer nos scandales de kidnapping et puis pour continuer à fonctionner, à prendre décision, à agir dans nos États. Pas grand rien qui dit, pas grand rien qui fait. C'est vrai que, depuis un certain temps, impunité si on a caractéristique, modèle de gouvernance nous. Mais au moins, il y a des bagailles qui scandaleux, qui criant. Des fois, nous avons dit, ah, mon cher, ne serait-ce que pour Roger, j'en fais un bagaille. Malgré tout ça, yo, Ariel Henry soudli avec. Je ne suis pas en train de dire maintenant que Lise Kittel est impliqué vrai dans le kidnapping. Là. Mais il y a un principe qui dit que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Je n'ai pas même besoin de dire pour César. Donc, ministre de l'Intérieur de ton État, ou bien de votre État, excusez-moi, ministre, il y a cité le nom dans le dossier kidnapping. Dans tout pays sérieux, la première démarche-là, c'est démissionner et puis à la justice. Mais les gars, c'est pas. Pour les gens qui accusent là pour une explication côté je ne sais pas. Moi-même, je n'ai pas dit monsieur Kittel c'est kidnappé ou pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas élément dans même mot ça. Après tout ça, je dit là, moi, répéter après un rapport. Et rapport a été connu, et on dit est-ce qu'il fait rapport. Mais si ou pas jamais attaquer rapport ça à la justice. Ou pas jamais les gens qui produisent un rapport à la justice pour le vin de qui manie, de qui manie, gosse, licite non dans le kidnapping là. Donc ça veut dire qui ça? De pour pas parler, ou d'accord? Qui ne dit rien? Consent. Quand il y a là, nous t'es obligé de tenir jusqu'à ce que l'international vienne faire pression avec initiative pour prendre sanction contre une série de monde. En d'un pays, hein, qui soit dans le pouvoir, qui soit dans l'opposition, hein, ou bien dans l'élite économique, là,
soit parce que yon nan gang, soit parce que yon nan drogue, soit parce que yon nan blanchiment, soit parce que yon nan corruption. Nous t'es obligé tonne jusqu'à ce que l'État général vienne faire pression ça pour finalement gouvernement décider libérer ministre. Là m'a parlé de Lise Kitel. Comme yo tombé dans même l'heure qui c'est novembre 2022. Mais Bertrand Dorcé, l'innommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique en 2021. Tout. Là, nous sommes en novembre 2021. Il était remplacé Lise Kitel. Lise Kitel qui t'a joué ministre. Ou le ministre Justice AI. Il y a une information qui est rapportée dans les médias qui dit, pendant qu'on parle de sanctions, pendant qu'on parle de révocation visa, mais ministre de Justice a allé pour voyager là. Et puis, ligne aérienne, basson Justice American Airlines, non, check yo, yo dit monsieur, a, mon cher, ou pas un visa, ou bien tout, yo évoque visa ou pas valide, ou pas autorisé pour voyager à bord avion. Il faut nous dire, Johnny, avant, ou arriver dans petit ça, à peine Bertrand Dorcé était installé, il était en fait objet de contestation par rapport avec dossier que yo t'es accusé, comme quoi il était dans la drogue. Ces deux bagailles anciennes, justement, que ont été arrêté pour ça. Depuis l'heure, t'es monté, t'es gagné beaucoup de contestations, soit qui a rapport avec l'organisation de Douamounio et puis d'autres secteurs qui t'ont contesté nomination Bertrand Dorcé comme ministre de la Justice. Ils ont refusé, ministre de voyage, ils ont dit, ministre de la prochain, ministre de retourner. Ils retournent, viennent dans le bureau, ils retournent, viennent dans le ministère de la Justice, viennent fonctionner, tout le monde fait silence. Au moins, même pouvoir, peut-être pour laver tête li, par rapport à tout ça ou gen comme soupçon, t'es qu'à dire, bah là, chercher qu'on est ça gen, bah au bénéfice du tout qui ou pas qu'on est. Et puis après ça, ta communication. Admettons que ou pas qu'on est. Mais tout bagay ça ou kap di ya la. Ave di moun sa ou même pas jamb de de radio, pas jamb de yon moun ki informé. C'est là d'après arrivé. Pour au moins yon men ou enquête interne, pour yon ouè de quoi il en est. C'est trop simpliste. Malgré ça, Lise Kitel, M. Bertrand Dorcé, il était style dans le ministère respectif, il a travaillé. Il a touché l'argent de l'État, il a joué le privilège de l'État, il n'a pas avancé. Quand il y a là, question m'a posée, mes chers amis matin. Ariel Henry, chef gouvernement, est-ce que c'est au courant, même Jean-Louis Dissot-Dil, tout à l'heure, il n'est pas au courant que M. Saogen n'a aussi cité dans des bagailles et que lui oblige à éclaircir ça si vous voulez écarter, c'est pour mettre disponible pour la justice, mettre disponible pour la justice. Ou bien tout, est-ce qu'elle rentre dans la rhétorique depuis cet temps-là, si ou pas volé, si ou pas drogue dealer, si ou pas gang, ou pas qu'à travailler dans le pouvoir, ou notamment pouvoir PHTK, ou, que ce soit PHTK, première version, deuxième version jusqu'à troisième version, revue, corriger, augmenter, Ariel Henry dans tête là. Est-ce que c'est ça lié à la réalité? Question m'a posé, m'a vraiment connu, m'a qu'on a fait avec Bordeaux-Bess. Est-ce qu'on t'a obligé de tenir ce Canada, madame, monsieur, qui vient là, qui dit nous comme ça? Lise Kitel n'a été langue avec gang. Lise Kitel n'a financé gang. Lise Kitel n'a pas gang zam. Lise Kitel n'a X, N, Y chose. Est-ce que c'est Canada qui te dit nous ça? Oh! Ni! En octobre 2021, ça m'a parlé à madame, monsieur. Nous, Lise Kitel, cité au moins deux fois dans mauvaise affaire. En première fois, Lise cité dans kidnapping pasteur Frère Michel. Là. En deuxième fois, Lise cité comme monde qui t'a participé à débloquer pour l'argent pour le premier ministre à le Pont Rouge. Je m'a dit, c'est vrai. Mais si bagay ça vous dit, au moins mes amis, pour qui ça c'est où? Pour qui ça c'est pas un autre ministre? Pour qui ça c'est pas un autre cadre dans l'État? Donc bon éclaircissement qui te doit porter. Malgré ça, éclaircissement pas jamais porter jusqu'à ce que bagarre vienne empirer. Et puis c'est le Canada, c'est les États-Unis qu'on y a là, qui viennent dire comme ça, monsieur Sayo, il n'est pas catholique. Ariel pas connaît. On dit Ariel pas ta connaît que monsieur Sayo n'a pas ouvert. Ou bien pas gagné l'élément amen que monsieur Sayo t'a gagné pour ça reprocher ou avri. Mais au moins, le premier ministre entend des radios. Au moins, le premier ministre lit dans la presse écrite là, il lit sur les réseaux sociaux, il parle des radios. Le premier ministre a dit que ça va être causé. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'étendre. Oh, bouli.
Mais moi qui tente de vous, t'as qu'à rapporter ça dit. Non, il a pas rapporté ça qui. Il faut dire ça le bec sans l'invitant de ou t'as rapporté au chef, même ça le bec. Le pays a marché, le pays a fonctionné. Moun Matisse sont capables à l'école, ils sont capables de traverser ou aller dans le sud. Mais ça l'a dit. Et il n'a pas songé. Comme lui, il va dans le pays. Parce qu'il va vivre, s'il va dans le pays du tout. C'est normal. Il va vivre en Haïti, il y a son autre planète là vivre. Oui, c'est extraterrestre. Justement. Et n'a pas songé tout, et non même ça a à voir avec Berto Dossier. Il y a un membre cabinet, M. Robinson, Pierre-Louis, qui jusqu'à présent en prison. Pour dossier ZAM pour de paix. Mm-hmm. Et il y a une information qui a circulé qui te fait connaître que ZAM ça a été rentré, c'est sous nom de ministre qui a été venu, non, on ne va jamais dévoiler. Le gouvernement ne va jamais mener enquête, en quelle instance, ne va jamais mener enquête pour connaître sous nom qui est-ce qui est venu, puisque nous connaissons membre cabinet, ministre de justice, dans la prison jusqu'à présent pour dossier ça. Continue pour me dire, Andy. Alors oui, avant de continuer, Johnny Ferdinand, parce qu'on a bien parlé, et je salue demoiselle Lantou, je salue tout staff là. Écoutez bien. Dossier ZAM pour de paix. Effectivement, ZAM, non, c'était pour Dossier Berto Kelte, ministre justice là. Et Blanc, Amérique connaît ça très bien. Et c'est au même Blanc qui m'a dit de CPJ pour traquer tout le monde qui n'a dossier ça. Et c'est suite avec dossier ça tout. Il n'y a pas de contrôle de dossier Berto dans la gangsterisation, dans l'alimenter gang dans le pays d'Haïti avec ZAM, parce que monsieur n'a kidnappé pour tout le monde. Et bon, j'ai information. C'est Dimitri Vob qui te mette, monsieur. Monsieur travaille pour Dimitri Vob. C'est monsieur qui a gangsterisé le pays pour patron. Dans souci, pour nous être capable de rendre le pays invivable pour l'heure, il fait demande d'intervention militaire là. Pour le capable de jeûner avec rapidité. La vie chrétienne vivant n'est utilisée pour qu'il y ait une intervention blanc, militaire blanc, pour venir protéger le pays d'Haïti. La vie n'est noire. Pas rien pour les Syriens, Libanais, qui sont des immigrants qui nous dirigent dans le pays d'Haïti, dans tant que nous dirigeons. Entendez, je vais parler avec lui dans la tête, nous ne pouvons pas ici. Monsieur Ariel Henry Patakone. Il faut respecter le chef là. Docteur Ariel Henry Patakone. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Oui, on dit par exemple, monsieur Ariel Henry, docteur Ariel Henry, pas au courant. Mais je dis, probablement, soit vous attendez, soit vous rapportez, vous dites, mais ça dit. Mais monsieur, tout, pour nous, pour famille, pour carrière, pour effort, vous faites dans la vie. Vous avez initié des démarches tout, pour côté la justice, pour laver, non, pour laver, réputation. On va continuer là, quoi, non? Il y a des cas juste qui parlent de problème. Je suppose que n'exagère pas les problèmes manger. Il y a pas les problèmes caï. Je suppose que n'exagère pas les problèmes. Il résout déjà. Il y a des cas juste démissionné. Et puis il dit bon par rapport à tel bagage, il reproche. Il démissionné qu'on y a là. Il mettait disponible pour la justice. Et puis il y a le répond une question sur accusation qui pesait sous deux. Je pense que la chose si belle. Que la chose si propre. Mais l'un qui est là, là nous était jusqu'à ce que c'est Blanc vini qui dit attention, hein? Et Blanc vini là, qui dit un tel c'est volé, un tel c'est drogue dealer, un tel c'est gang, un tel c'est corrupteur, un tel n'a blanchiment l'argent. Bah là, dit monsieur. Pour moi-même, et pas celle monsieur, non, qui t'a doué en bas sanction. Ariel Henry t'a doué sanctionné, tout vous s'y tirez. Et je pense que deux ministres qui sont dans le gouvernement toujours là, non, ils ont été cités, qui jusqu'à présent, Ariel Kembeyo. Ariel Henry t'a doué en bas sanction tout pour s'y tirer. Parce que ou pas qu'à fonctionner avec deux membres influents dans le gouvernement, et à un certain moment, puis m'ont présenté M. Lise Kittel comme un protégé d'Ariel, ministre de justice, un gros monde concerné dans le gouvernement, non, l'absité, non, c'est le bagage. Pour même comme chef gouvernement, on va dire monsieur non, pas comprendre. Pour qui ça y est, on va citer là. Hein? On va hausser le ton et puis pour prendre les décisions qui s'imposent pour sauver le gouvernement. Ou qu'un bénégue jusqu'à ce que c'est l'international qui fait pression sur vous pour évoquer. Et d'ailleurs, et pas celle bénégue, non. International a demandé de évoquer pour répéter Lydia Alexandre. Nous sommes allés à l'école, le petit blague qui dit qu'on fait qui t'a fait sous la mer, on te dit c'est bête à con, cap là. Et puis on dit chien à chat. Par un con, il y a sous des con, il y a allé, et puis, à ce qu'il paraît, il y a un qui rete, et puis l'autre là, même ça, c'est l'aiguille, il va aller. Et puis, il dit, allez, vous testez con, yo. Et bien, si vous testez con, le gouvernement, ça a toujours. Il y a un jeune, hein? Il y a un jeune, mais c'est le secteur général qui a un coucou, oui, tout. Claire. Très bien. Et, nous faisons entendre ça, c'est
si on aller pour montrer nous, même Jean, journaliste, dit ça, dans un premier temps, tout, si nous avons pris responsabilité nous pour nous dénoncer volo ça, dénoncer chef de gang ça qui a costume dans le pays, nous sommes sûrs que nous avons un groupe de ravettes qui appelle kidnapper les gens dans la rue. Parce que ravet qui a été kidnappé, c'est exécutant que vous avez. Tout le monde est qui bosse kidnapping. Tout le monde est qui a planifié kidnapping. Ça veut dire que je dis qui ça n'a pas fait avec vous. Nous continuons à quitter vous là toujours. Nous avons un choix pour nous faire. C'est soit nous vivre dans le monde ou bien chaque grand nex nous font bagarre ensemble avec eux. Parce que pas un pays sur la terre pour le monde accepter pour vivre dans les conditions, ça n'est pas possible. Et nous souhaitons que nous-mêmes comme haïtiens, nous commençons à prendre responsabilité nous face à la coalition d'assassins, groupe criminel qui justement prend le pays en otage. Et nous avons plusieurs points que nous allons aborder ensemble avec là. Nous allons faire des déclarations au commissaire Eukailan, qui est le commissaire Richemont. Et qui t'a parlé suite avec invitation qu'elle t'a fait et normalement ancien sénateur là et que ce sénateur n'a pas venu et vous parlez de l'éducation qu'elle fait et qui ça qui dit non et note de réponse en avancé et commissaire Richemont qui t'a répondu question journaliste et normalement et Ismaël Valestin d'accord dans la compagnie d'Haïti en avancé. Et on avance, c'est extrêmement important. Finalement, je dis à Hervé Foucan, il faut chuter à ton. Il va mettre des pieds. Oui, bonsoir, Alistair. Bonsoir, bonsoir, auditeur. La parole. Bonsoir, le Sud. Bonsoir, oui. Et avec Foucan, pas présenté et pas même avocali, pas descendre dans le paquet aujourd'hui. Bon, effectivement, non, il n'est pas présenté, mais cependant, il m'a donné un report par voie d'huissier. Ok. Un report, disons, ce qu'il dit, parce qu'on connaît que droit, qui sont droit, droit élastique, chaque parti a droit à un report, je suis pas encore le procédure civil là. Mm-hmm. Ou dit. Oui, vous m'avez avancé. Ça que nous constatons dans la correspondance de l'enquête là, parce que le sénateur n'a pas constitué avocat, donc il n'est pas constitué avocat. Pourtant, les écrits sont les écrits des avocats. C'est la plume de l'avocat. Donc, il n'est pas constitué avocat. Non, c'est pareil. Sauf que je vois un problème, parce que l'avancé pour le dire que. Ou bien le Canada ou bien les États-Unis pas signifier sanction que yo dit yo prend contre l'IA. Donc c'est soit la radio, la télévision, le journal, que ouais, mais il n'est pas au courant, il n'est pas signifier. Donc il m'en a un report de façon à ce que pour être capable de faire des démarches pour nous renier et l'État a la possibilité disponible pour nous attendre. C'est ça que je dis dans mon cas. Okay. Alors, vous dites le mandat de report sinédié, ça veut dire on date jusqu'à besoin pour reconnaître. Mais ou même qui délai ou gain devant ou pour avancer dans le cadre de dossier ça? Bon, pas gain, même pas gain délai. Donc, automatiquement, que le mandat de report sinédié, c'est que l'équité du champ libre ou pas gain de décider. Okay. Donc, c'est le paquet qui va décider quand même parce que c'est la première fois que moi, on justiciable, on écrit pour le mandat de report, c'est inédit. La première fois, ça fait deux ans pour la première fois, automatiquement, justiciable a demandé un report, tout fixé d'étape et qu'il est là, disponible pour que la justice s'intéresse que l'IBA fait, donc nous-mêmes, donc le portier lui-même a décidé. Et qui suite l'affaire de alors, elle fait ça pour un peu de monde. Fonti, excusez-moi, commissaire. Alors, elle dit ça pour un peu de monde, c'est dans tête elle a passé paquet. Est-ce que vous-même, la loi m'aborde droit pour décider et pour faire, et avec Foucan, venir répondre à une question? Oui, donc là, on va pas faire ça. Je me souviens ça. Je veux dire, que moi, il y a juste un peu de réponse, il dit. Okay, alors, l'élément de Sinédia dans le cas, qui ça la loi dit ou café, ou même comme commissaire gouvernement chef de poursuite? Donc, moi, je vais toujours ballon semaine encore pour les préparer. Les, donc, après une semaine, nous avons toujours fait suite, soit que nous invitons les encore pour les venir, ou bien que nous faisons que ça la loi m'a dit pour faire dans le cas de dossier. Ça la loi dit dans le cas de dossier?
quand on est incapable, nous parti à lui-même n'est pas mené, il n'est pas mené enquête, donc pas mené enquête, il y a juste des sujets qu'il met disponible pour parquet. Donc on va construire le cabinet des sujets pour les suites de loi. Donc c'est ça la loi dit, et si un monde a fait et a tergiversé l'affaire Chelbert, il va venir répondre des questions commissaire et gouvernement. Moi je parle avec Rose Bertha Denistan qui est journaliste dans ville locale, certainement vous connaissez très très bien, et il dit il était pas là avec vous comme commissaire gouvernement au CAI. Ou expliquer ou t'attendez ancien sénateur sous plusieurs plaintes qui ont déposé sous lui et contre lui ou bien plusieurs chefs d'accusation, notamment drogue que les États-Unis épinglé lui, et question plainte l'argent létal détourné. Mais Rose Bertha expliqué ou dit tout ou t'attendez et commissaire comme monde qui fait partie des 11 familles qui rentrent les amendes dans le pays. Est-ce qu'on a un bon genre de document en main et commissaire Richemont? Non, nous avons un document qui est épinglé, sénateur, comme dans 14 familles qui ont pris des armes, qui ont fait trafic des armes dans le pays, à tout le monde sur quelques personnes. Quel document ça a sorti, commissaire Richemont? On l'a sorti le ministère de l'Intérieur. Oui, le ministère de l'Intérieur est sorti Comment rappelez-moi, commission des armements et institutions. CNDDR. Ah oui, c'est NDDR qui sort directement. Rapport ça, il est disponible. Donc, nous gagnons. Attendez. Magistrat Richemont, là, c'est nouvelle la belle là. CNDDR a toujours parlé des 11 familles qui fait 14 familles qui fait ZAM rentrer dans le pays. Ou gon document en main, diman signé par les commissaires. Dans CNDDR, qui c'est Commission Nationale. Document signé par le ministre de l'Intérieur de l'Or et du directeur du ministère de l'Intérieur de l'Or. Non, on va parler de document. On va parler de document que. Et on parle de document que le ministère de l'Intérieur a écrit à ce président Jovenel Moïse qui était indexé sur 14 familles qui a pris des armes dans la ville. Parmi 14 familles, ça y est, Hervé Foucan lui-même là-dedans. Oui, effectivement. Magistrat, bonne chance pour expliquer ça encore. Parce que son document, mon badjam connaît, il m'a parlé avec l'autorité. Pas n'importe qui, son commissaire gouvernement dans la ville locale, chef de poursuite, c'est représentant la société dans tout procès. Donc, document qu'al joindre qui sorti dans CNDDR, qu'al qui vient joindre nous, ministre intérieur, directeur général, on parle de qui ministre intérieur. Dès lors. On va parler de sous Jovenel ou bien sous Ariel Henry? Sous Jovenel Moïse. Ancien président Jovenel Moïse, avant de mourir ou bien avant d'assassiner lui, c'était Gonzague Dey qui était ministre intérieur. C'est lui-même qui était signé lui? Oui, je crois que c'est ça. Il n'est pas la même là, il est dans le dossier. Le document dans le dossier, il n'est pas la même là, même pas si c'est lui. Donc son document et ministère intérieur était partagé avec vous-même. Bon, c'est mieux de la réserve, Valestin. Alors, ça fait m'insister sur lui, c'est parce que. Oui, non, c'est pas parler trop. Non, ça fait m'insister sur lui, c'est parce que nous pas de gens au courant, parce que là, son voix officielle, son autorité qui parle avec nous. Donc, toutes âmes qui viennent d'un pays, il y a 14 familles, c'est 14 au lieu de 11, c'est un des rappelés. Donc, Foucan n'a yo. Dans le document qui n'a même pas, Foucan, c'est une famille sa yo qui fait un pile zam rentrer en dans pays. Donc c'est, comment on dit ça, pile moun nan sud qui pas qu'à traverser journée aujourd'hui. Et Foucan est là-dedans, l'aime dit là-dedans, comme si un pile l'eau qui a coulé et non, j'ai un pile moun ma papa petite, pays a déstabilisé. Foucan, qui l'autre nous encore, qui l'autre nous. C'est vous, vous avez la réponse, vous avez la menace. Donc on fait,
pas la volonté de menacer. Je menace tout. Attendez, je menace tout. Son citoyen ou son commissaire gouvernement a arrangé sécurité pour ne pas manger. Qui est non ou ouais dans la liste qui est là, qui est dans le sud pays, qui est pays, qui est pays à service, et commissaire Ronald Richemont. Non, ça qui est même non, donc ça qui concerne le sud qui est intéressé. Bon, je suis intéressé parce que je ne fais pas partie de la juridiction. Ok. Le sud gagne seulement Hervé Foucault, pas gagné l'autre nom? Non, pas gagné l'autre. Ok. Où tu vas me recevoir menace? Côté menace, tu es sorti comme ça? Bon, pas qu'on est, côté sorti, mais je sorti, bon, téléphone, bah, dit, côté menace, sorti, on a sorti au Caire, on a sorti dans notre pays, on a sorti de l'autre côté, bah, dit, effectivement, côté sorti. Ça menace, yo, 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 dans téléphone, yo, du pas campé ou apprêter, ça, yo, yo. Bon, qui vient de menace? Menace, fait menace, ou même, monde. Ça, vous avez fait menace, fait menace, ou même. Mais moi, je me dis que, donc, moi, qu'on est, depuis que, nous avons bataille pour que Haïti sorte de sa lia, donc c'est pour bataille qui a passé. Donc nous connaissons nos mourir, nous connaissons nos mourir, parce que nous, même si nous tuons nous, mais nous tuons quoi, mais l'idée, nous, l'esprit n'a prêté, et l'autre monde qui veut bataille pour que Haïti sorte de sa lia, là, pour suspendre et passer Haïti dans tête, parce qu'il y a continué bataille là. Continué bataille là. Ils ont fait une bataille liée pour que Haïti sorte sa lia là. Donc, d'accord. On nous finit, magistrat Ronald Richemont et sénateur dans le demande pour l'IFEA. Il dit Canada pour qu'on dit rien, les États-Unis pour qu'on dit rien pour question de drogue là. Donc, c'est ça qui fait lui-même demande report. Ça veut dire l'attente dans le document, ça vient de joindre. Mais est-ce que vous-même vous faites des marches saillots, bon côté ministère des tutelles ou qui démarche vous fait pour gagner un document, les États-Unis, Canada, de ça reprocher avec Foucault? Comme je bien, je constate que leur mise au monde de suspicion légitime de débarrasser de suspicion de blanchiment d'argent, de enrichissement illicite, c'est pas l'État qui parle de la preuve pour vous. C'est vous-même pour la preuve. L'État pas obligé de la preuve, la justice. Alors, la preuve pour montrer qu'il n'est pas dans le blanchiment, pas dans la drogue, mais vous-même, ou ce chef de poursuite, avait dit, c'est l'État moun qui a accusé l'acte de venir avec document. Pas A plus B, où les États-Unis disent, Foucault, quand on fait drogue entrer États-Unis, ils ont utilisé position, ils ont utilisé avion pour faire drogue aller dans le département sud-pays. Bon, c'est ça, rapport à dit. Oui. Et ça qui permet que les entrent dans le cycle, quand ils sont allés, de la blanchie dans l'argent. Et donc, l'homme de l'homme, on a accusé l'État célibat pour faire preuve devant le tribunal pour dire que voilà. Mais ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, c'est pas moi-même qui t'a dit que, pour faire deux pages, pour que la proie vienne jouer, non. Je ne l'ai pas haïché. Donc, c'est le ministère de la Justice, le ministère de l'Affaires étrangères, qui pour parler avec le Canada, les États-Unis, pour que, et pour aller venir, le venir, c'est toute fois que vous voulez que le pays a sauté de manière là. Mais bon, bon, je question ça, et magistrat Ronald Richemont, pour vraiment finir, pour qui ça c'est aujourd'hui, ou voulez tendre Hervé Foucault sous question, et famille qui a fait ça, moi, dans le pays, pour qui ça c'est aujourd'hui, parce que ou dit documenté dans le même, depuis sous Jovenel Moïse, et ou cité là, ou dit c'est Gonzague Day qui est ministre. Non, non, j'ai ma peine, je ne vais pas parler, voilà, pas au lieu de trois jours depuis une guerre, donc pas ça. Ok. C'est le ministère de la Justice qui partage la veille ou bien c'est NDDR? Je suis souffle. Même si je n'ai pas de guerre. Hervé Foucault a arrêté. Information confirmée. D'après ça, je suis là. Hervé Foucault a pris un code et dans le cadre de ce dossier, il est clair. Monsieur doit arrêter tout. Et il est important. Ok. Monsieur a pris un code dans le cadre de ce dossier. Très important. Il n'y a pas de route pas bois. Monsieur a pris un code dans le cadre de ce dossier. Et papa ici, l'autre point que nous avons normalement vu aborder ensemble avec vous, c'est ça qui vient pour vous avec le dossier et assassinat président Jovenel Moïse, qui vient deux individus qui ont arrêté dans le cadre de ça, et un ancien militaire, et un commissaire divisionnaire, et un policier, normalement, mais dit un policier, et qui ont arrêté dans le cadre de ça. Normalement, mais juge là nous connaît que. Et en cette période, c'est Mme Martine Moïse qui a demandé au juge pour qu'il déporte le dossier. Mais sauf que le juge lui-même décide pour le cigare de l'anté. Les gens qui sont victimes, ils demandent pour déporter ou cigare de l'anté. Parce que quand on pas prouvé sur criminel, ils pas prouvé sur assassin. Ok? Et en fait, après-midi, il y a un grand Kishoy qui nous va le partager ensemble avec vous. Et dans l'émission, ça toujours. Et je souhaite que vous partagez. Je souhaite que vous remettez un petit moment. Si vous remettez un petit moment, ça,
dis nous oui ou t'es remel dans l'espace commentaire là. Moi mais nous en pile. Ils sont plaisir pour que me danse avec nous. Enjoy music ça. Foucault Tax 609. Moi mais nous en pile. Non parole mais chat là moi j'échappe là. Gué mon qui dit c'est domaine. Je chante pas et la note de charge. Ni ta préglé ça fait la clé ici. Gué mon qui s'y parle ni qui livre. Président. Oh shit.